Pourquoi vous imposez un couvre-feu? Je sais pas, c'est par intuition. Et quelle était la relation avec votre père? Ben, il m'imposait souvent... Des couvre-feux. Ben oui! Et en l'imposant à la population, vous avez l'impression d'agir en bon père de famille. Exactement! C'est pire que je pensais. Vous souffrez du syndrome chronique du couvre-feu paternaliste. C'est très rare. Les rassemblements privés, les rassemblements dans les maisons seront plus permis à partir de demain. Non, mais vous n'avez pas encore compris, les Québécois, hein? Il était à la veille de la veille du jour de l'an, vous annoncez ça qu'à la veille du jour de l'an, les rassemblements, c'est fini. Hein? Non, mais il vous a pas assez fait chier encore? Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase en tabarnak. Ah, oh, puis j'oubliais, Legault, je te souhaite trois choses pour le jour de l'an. De la marde, encore de la marde, puis encore plus de marde. Vive les Québécois! Attendez une minute, attendez, attendez. Quoi? Crise de tabarnak, crise de ficolée. Vous voulez savoir c'est quoi la nouvelle culture québécoise? C'est de hate sur Legault. Genre H24, à chaque fois qu'il pose une nouvelle restriction, tout le monde sort comme fuck Legault, fuck Legault, fuck Legault, fuck Legault, fuck Legault. Ça nous unit tant que Québécois. Comme je sais pas si vous vous rendez compte, mais Legault, comme il est en train de nous enculer back to back, puis nous on accepte, comme on dit rien. Comme il vient de gâcher notre année là. Wallah, il vient de gâcher notre année. On va rentrer en 2022, puis le nombre de posts que vous avez mis sur Instagram, ouais, 2022, it's my year. Ça va être la year de personne là. Comme vous allez rentrer chez vous à 10h. Tu reprends. Tout va être fermé. Vacciné, pas vacciné. T'as tes 3 doses. Ils servent à rien, tes 3 doses. Comme. Là, je suis énervée. Je sais même pas comment parler. Genre, comme. Je sais pas quoi dire, Wallah. Comme. 2020, ça y est. 2021, ok. Aoutiani 2022. Ça y est, khlas. Mais tu peux aimer la situation.